Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la Trinité. Donc, c'est un sujet quand même assez primordial dans la vie du chrétien et dans la compréhension de la nature de Dieu. Parce que voilà, il faut comprendre qui nous servons, le Seigneur. Donc si on aime le Seigneur, il faut le chercher à comprendre sa nature, comment il est. Et dans la Bible, il est marqué que il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, il est unique, mais il a trois caractéristiques. Donc là, je vais, pour que vous compreniez mieux, j'ai pris l'exemple de l'œuf. Donc, l'œuf, il est composé d'une coquille, d'un blanc et du jaune. Donc là, vous pouvez voir, on peut dire que ça correspond. La coquille, c'est le Père, le blanc, c'est le Fils, et le jaune, l'Esprit Saint. Les trois composantes font partie de l'œuf. On ne peut pas les dissocier, on peut les dissocier, mais ça sera toujours un œuf. Voilà. Il n'y a pas trois œufs. Quand on prend le jaune, le blanc et la coquille, ça ne fait pas trois œufs, ça fait un seul œuf. Donc, l'œuf en lui-même est unique. Donc, on ne peut pas le séparer, ça fait un œuf composé de trois caractéristiques. Donc, ça peut vous aider à comprendre un petit peu la Trinité. Donc, il n'y a pas trois dieux chez nous. Les chrétiens, il y a vraiment un seul Dieu qui se compose en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont de la même nature, qui se complètent. Donc, voilà, après, j'espère que ce petit exemple-là vous aura édifié. Voilà, soyez bénis et prenez soin de vous.